Vas-y, on va piquer. Bonjour, c'est Romain Ropoteau. Ça va, ouais. Oui, et toi? Ça va, ouais. T'as bien aimé la liqueur que je t'ai offert? Pas la liqueur, mais le café aussi, quand c'est bien aimé. Oui, non. En plus, moi, je rigole quand je dis ça. Parce que après, tu vas avoir ramené la direction. La direction, là. Ici, oui. Là, ils vont se dire, où est-ce qu'on a de la liqueur, là? tu sers la liqueur, là, et tu m'en partages même pas. Dire, dans mes tabarnak, là, tu prends-tu pour une crise de... Une crise, oui? Donc, ils vont dire, non, 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 il faut pas. Surtout que c'est pas autorisé, quoi. Puis, oui. Et puis, heureusement, parce que je pense que il y en a souvent qui lèveraient plus ses coudes que qui lèveraient plus ses coudes pour boire que pour passer l'aspirateur ou l'aspirateur. Oui, exactement. Donc, oui. D'ailleurs, je vais passer après. Sinon, comment s'est passée ta matinée ce matin? Bien, on s'est fait les courses ce matin avec Olivier et ça s'est super bien passé. Et toi? Maman, ça va. Oui. Bon, ce matin, je vais essayer, il était 6h. Oui. 6h du matin, et puis j'ai lancé la machine. Oui. Enfin, quand je dis lancer, j'ai lancé le programme, pas lancé physiquement, quoi. T'as pris, oui, mais t'as parce pris que... ton petit déjeuner ou pas? Ouais, ouais. Oui, ah oui. Parce qu'il y en a qui peuvent penser que j'ai pris la machine et j'ai balancé. Non, ah, non, je l'ai lancé le programme. Oui. Lancé le programme, je suis retourné dormir un peu. Oui. À 8h15, c'était tout fini. Oui. Donc, j'ai mis au séchoir et ben, après, ouais, là, c'est prêt à être rangé tout à l'heure. À 17h. Et après, ben, j'ai pris du taboulé ce midi, puis ce soir, je vais voilà, en prendre encore aussi un peu. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as une préférence sur le café? Par exemple, on a goûté du caramel, mais l'autre jour, on avait goûté l'ours, quoi, une maison du café. Non, mais je préfère plutôt caramel. D'accord, oui. Préférence pour le caramel. Mais c'est une préférence pour, c'est vrai qu'il, pour le caramel. Mais assez bon. Starbucks, ouais, ils font des... On va dire des cafés... Ils font des moyens bons cafés, quoi. Oui. C'est pas de l'extra bon café, mais oui. C'est des, quand même, il est assez bon, quoi, pour le prix. Voilà, quoi. Il est super bon, oui. Tout à fait d'accord avec toi. On va lundi, je sais pas où je suis demain. Je vais voir. Moi aussi, je ne suis pas... l'AIC. Alors, l'AIC, pour ceux qui ne savent pas, c'est, ça signifie animation intervalle court. Oui. En fait, c'est un peu comme un planning, quoi, en fait, à la journée, quoi. Oui. Avec toutes les photos des personnes. Pour en fait savoir où est-ce qu'on est. Oui. À quel poste et où oui. Ben en fait, tous les matins, on va voir l'AIC, oui. le tableau pour... Mais le tableau des AIC du matin. Et... Après, en principe, c'est rare quand dans la journée, ça change. Sauf quand il y a, je sais pas, ou sauf quand il y a une réunion ou quoi, mais bon, c'est assez rare. Donc, oui, c'est rare, oui. T'as des choses à encore raconter ou pas? Après, pas spécialement. Mmh. Après, bon, j'espère que je n'ai pas réveillé ma vie. Ce matin, j'ai fait un peu du saxophone. J'ai essayé Nado, l'encantade. Ah oui, d'accord. Il faudrait que j'essaie de montrer dans une... Amy, tu me prendras en vidéo avec ton téléphone et puis on verra ce que ça fait en short, vidéo short. Oui. Si tu es d'accord. Mais tout à l'heure, je prendrai une vidéo. Bon, et... On fera 30, environ. Je sais pas si on fait une minute parce que. Je sais pas, on verra tout à l'heure avec toi, d'accord. Ouais, ouais. Puis Amy, si vraiment
On voit que bon, j'arrive assez bien, que je suis sûr et certain qu'il n'y ait pas de couac dans la mélodie. Bah, je prends en vidéo sur ma chaîne. On sera l'occasion de dire ce que vous en pensez. Alors, par contre, en sachant que mon problème principal, moi, dans la musique, c'est ça qui a fait que on va dire que je joue plutôt seul, c'est la rythmique. Si tu veux, c'est au bout d'un moment, j'arrive à tenir au début, puis après, je pars à droite, à gauche. Oui. C'est ça principalement mon souci. Oui. Oh. Et toi, t'as autre chose à raconter ou pas? Si je suis assez pressé de recevoir ma voiture, Oui. j'attends que le livreur envoie un message à mon père en disant que tel jour elle arrivera, mais je pense que ça devrait être peut-être d'ici vendredi ou samedi, je Et pense. moi, c'est commandé en colis, je vous dirai pas parce que ça va rendre salaud les personnes, alors je dis que seulement que c'est commandé en colis. Parce que sinon, s'il se dit le nom, il va dire, mais toi, t'es riche, alors c'est pas la peine de se vanter. Ouais, par contre, c'est vrai, comme s'il disait, bah, exemple, bah, c'est comme si je dis, bah, demain, je vais m'acheter un saxophone baryton. Oui. Ça vaut dans les 4 550. Oui. Là, il se peut que ça fasse des jaloux. Mais. Alors, moi, c'est commenté en colis, mais ne vous direz pas le nom de l'objet parce que ça Et va si. attirer beaucoup de personnes et ce fait pas que les personnes se sentent malheureux. Et surtout que je ne mettrai jamais ce prix-là pour un instrument de musique, on va dire. Oui. Si encore j'en jouais parfaitement bien et que, on va dire, j'avais un très très bon salaire, oui, ça Oui. vaudrait le coup si je suis pro, mais non, je suis loin d'être pro. Oui. C'est plutôt un amateur comme ça que j'en fais. Donc Oui. voilà, aucun intérêt que je mette quasiment 5 000 balles Oui. dans un saxophone. Oui. Comme si je m'achetais on va dire, une Aston Martin toute neuve et que j'ai même pas encore permis et que Oui. j'ai jamais conduit de ma vie. Oui. Là, c'est pas logique. Oui. Si un jour, bon, j'ai passé le permis, j'y pense, mais pas dans Oui. l'immédiat, mais par contre, pour que je m'achète une Aston Martin, il faudrait que je gagne au moins au loto parce que c'est dans les 327 000 euros neufs. Oui. Donc, si je rajoute, bah, les modifications potentielles qu'il peut avoir, c'est-à-dire remonter le pédale et tout le restant, Oui. on peut la mettre à 4 100 euros. Oui. Oui. Non, non, pas 4 000, à 400 000 euros. Ah 4, oui. à 400 000 euros, ouais. D'accord. Donc, bon, voilà. À dire la Aston Martin, je pense que ça va rester un rêve, tout simplement. Oui, un rêve, oui. Et par contre, peut-être qu'un jour, je pourrais prendre une. Tu sais, ils vendent des box dans les magasins, faites un tour d'une voiture ou quoi. Oui, Je pourrais demander à faire un tour avec quelqu'un qui conduit, puis voilà. moi, c'est mon rêve. Mon plus grand rêve, c'est de conduire une Tesla. Ah, Mais. Tesla, c'est conduire. Si, après, ça peut être dans une propriété privée, hein. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui, en cas de problème, qui peut réagir, oui, ça peut être Non, possible, mais mais pas. le frère de ma maman qui s'appelle Jérôme, il a une Tesla et il m'a fait déjà faire un tour et moi, j'ai bien aimé. C'est. En même temps, pareil, j'avais conduit le tracteur, mon rantan, quand j'étais petit, sur ses genoux, quoi, mais. Oui, et l'ami, il a le frère de ma mère, il a une Tesla Model 3. Ah ouais. La Model 3, elle est super belle, elle est grise officielle, D'accord. la couleur.